Sonia. Donc voici pour vous, madame, monsieur, pour accompagner votre apéritif, une verrine de thé vert, petits légumes et glace au basilic, et sur la plaque, un chip de maïs et crème au petit pois et un fromage de Rhodes. Bonne dégustation. Monsieur, baguette ou campagne? La huile bouche de ce midi, c'est autour de la carotte, avec de l'orange et fèves. Bonne dégustation. Donc voici pour vous, madame, la truite marinée, quinoa, haricots verts et abricots. Et pour vous, monsieur, donc la courgette farcie aux champignons et girolles poêlées. Bonne dégustation. Allez-y, parce que je veux pas que vous le ratiez après. Là, là, elle va commencer à dresser les deux pétades, là. Là et là. Mais c'est pas cuit encore, les pétades. Là, c'est pour les entretiens, vous pouvez commencer par filmer ça, après vous filmerez ça. Vous pourrez des montages après. Oui, ben, comme d'habitude, hein, je me débrouille. En fin de compte, Sarah, elle vous fait un plat pour vous. Elle est bien, Sarah. Un peu spécial. Enlève. Ah non, c'est pas bon là-bas peut-être. Moi c'est bon, hein. T'as trop pétard. Allez, c'est la pétale. C'est la pétale de nouvelle formule. C'est la pétale carré par lui. C'est le foie de pétale. Mets-la. Vas-y, mets-la assez, ouais. Alors, je vais couper une autre. Je vais mettre des filles. Et ça, tu peux mettre parce qu'elle apporte du blé. Le côté acidulé. C'est bon. On enlève. Là, c'est le foie gras de canard grillé avec l'orge croustillant, rhubarbe, cerise, vinaigrette à la gelée de fleurs de pissenlit. Ça, c'est la pintade. Hein. La pintade, vous verrez comme la viande est moelleuse. Elle est assaisonnée? Oui. Au Gendron, vous y avez été que pour le repas truffe ou vous y avez été pour votre pomme? Non, que pour le repas truffe. Vous y avez jamais mangé sa cuisine réelle? Non. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est que pour le repas truffe, il s'inspire beaucoup de ce que faisait son prédécesseur. Elle est qui? Elle est sous. Oui.
repas truffe. Le repas truffe, ah, oui. Ouais. Ah, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Il a une jolie couleur. Hein. Vous aurez intérêt à couper après parce qu'il y a des temps de perdu hein, ce cuisine. Vous continuez votre périple sur le secteur. Oui. Demain c'est Marcolès. Ah oui. L'année dernière. À Marcolès, on n'y a pas été né. Donc voici pour vous la pentade de chétournier en ajac, pulpe de pommes de terre et sauce à la sauge. Et pour vous, monsieur, donc gomme le chevalier, pulpe fenouil réglisse et pamplemousse. Même dégustation. Donc voici pour vous, madame, monsieur, le plateau de fromage de l'Aveyron. Donc tout d'abord pour les fromages de vache, nous avons le Laïol fermier de monsieur Fagegaltier avec 4 mois d'affinage, ainsi que la tombe de Brenac. Juste ici, la brique cendrée de madame Mazard à la Bastille de l'Évêque. Pour les fromages de chèvre, donc le duo de chèvre bio et la bûche de chèvre bio du Gaec de Compostelle à Villeneuve d'Aveyron. Et pour terminer, les fromages de brebis, donc la tombe d'Estaing et la tombe du Haut-Barry des bergers du Larzac à la Cavalerie, la tombe de raspe de monsieur Ginette au Vialat du Tarn, et le roquefort, le vieux berger de monsieur Combeau Farguet. Tout ça accompagné de la confiture maison de fraises. Madame, je vous écoute. Le roquefort. Donc juste ici, le roquefort, le vieux berger de monsieur Combeau Farguet, la brique cendrée de madame Mazard à la Bastille de l'Évêque, la tombe du Haut-Barry et la tombe d'Estaing des bergers du Larzac à la Cavalerie, et la bûche de chèvre bio du Gaec de Compostelle à Villeneuve d'Aveyron. Donc juste ici, le Laïol fermier de monsieur Fagegaltier avec 4 mois d'affinage, ainsi que la tombe de Brenac. Juste après, donc la tombe de raspe de monsieur Ginest au Vialat du Tarn, la tombe du Haut-Barry et la tombe d'Estaing, les bergers du Larzac à la Cavalerie. Voilà, bonne dégustation. Attendez. Tiens. C'est qui est parti, ça va? Non, non, c'est bon. Moi, c'est bon. Ok, je vais aller. Voilà. D'accord. Laura, je me lance un peu à toi. Bonjour, je m'appelle Juliana Mafra. Vous êtes depuis... Ça va faire un mois. D'accord. Et les maisons avant, vous avez fait? À Villeneuve-d'Aveyron, à Régalé, j'étais avant. Merci. Je m'appelle Laura. Comment vous êtes avec ça? Ça fait un an que je suis ici et je sors de Barco. Merci. Je suis Noémie Kessiol, je suis stagiaire au Vieux Pont à Belcastel et je suis là depuis 2 mois. Voilà. Merci. C'est à l'équilibre stable ça. Oui. Non, c'est bon. On a changé aux cerises, là. C'est plus. Ils ont pas eu le panier. Il a pas eu le panier, le monsieur. Ah, bah on se voit pour revenir. Hein. Vous avez pas eu le granité. Donc, dès que vous avez pas le granité, il reste pas. Hein. C'est avec la verveine du jardin. Vous allez manger ça et puis vous reviendrez pour l'abricot. Exactement. Je vais avoir de la matière. Moi maintenant c'est une étoile, 2 étoiles à la rigueur. Chez ceux qui débutent, hein. Chez ceux voilà, qui débutent, chez les trois. Vous avez des livres pour moi, vous savez pas des. Mais oui, mais oui. Mais c'est pour ça aussi que si vous voulez une évolution des jeunes. Parce que si vous voulez, il y a le goût toujours. Enfin, je veux dire, il y a le plaisir de bien faire, d'avoir des idées originales et ça nous plaît. Mais avec moins de cérémonial autour, on est moins cher. Exactement. Et c'est quoi ça? C'est stressant de se faire fumer. Ah, c'est stressant! Oui, c'est stressant. Il faut justement s'habituer à ça. Après, tout passe après. Ah oui, j'ai oublié, j'avais Philippe Tellier. Il y était, lui. Ouais, parce qu'on en a parlé. On est parti ensemble à Paris, voilà, c'était beau. Ce qu'il m'a dit, il a dit, lui, il a bien apprécié. Ben, vous savez, c'est le genre de... On est parti avec les leveurs de veau, avec la dame qui a fait le gâteau à la broche. Oui, donc c'était pas mal. Il nous a dit... Bon.
Alors, voici pour vous notre dessert aux fraises, choux, citron vert et sorbet vert vert. Et juste ici, c'est un granité à l'oseille avec moussolet de coco. Je vous amène les petites cuillères. Les cerises, les fraises de Noémie, c'est bon? Oui. Voilà, si vous voulez passer à table, ils vont vous amener avec la glace. D'accord. Donc voici pour vous, madame, le dessert autour des cerises, crème à gastache et sorbet rhubarbe. Et donc pour vous, monsieur, le dessert autour de l'abricot, sorbet acacia, crumble et tuiles à la cacahuète. Voilà. Donc tartelette de fraises et brownie chocolat. Bonne gustation.